Tail whip, backflip ou encore no foot cancan, ces noms de figures ne vous disent peut-être pas grand-chose, pourtant elles sont courantes en BMX. À l'occasion de Charletti fait son cirque, un stand est consacré à ce sport acrobatique. On essaye de promouvoir notre passion justement en intervenant sur ces manifestations et en faisant découvrir aux jeunes sur leur temps de vacances ces activités sportives. Un casque, des coudières, une fois équipé, le BMX freestyle est accessible à tous, que vous soyez simple amateur ou grand passionné. J'ai découvert le BMX par un ami qui en faisait à côté de chez moi et ça m'a plu, j'ai voulu essayer. Et après, j'ai tout le temps continué, donc je me suis accroché au sport. Fan de vélo, Mathieu a trouvé le moyen de joindre l'utile à l'agréable. Par souci pratique, je me suis dit, je suis sur Paris, je suis étudiant, c'est plus simple pour moi d'être en BMX. Et au final, j'ai vraiment découvert une énorme passion. Comme marqué Mathieu, ils sont plus de 23 000 passionnés à pratiquer ce sport, que ce soit sur la terre ferme ou dans les airs.